Écoutez moi très bien. Ce qui caractérise le prophète, c'est les actions prophétiques. On est le même une action tout à l'heure. J'ai versé de l'huile sur vos têtes. C'est ça nous aujourd'hui. C'est une marque. Il est là, il est libéré. Amen. Il dit point de ma tête. Oh, c'est à nous aujourd'hui. Ma coupe déborde. Il est là, il pleut, mais je point de ma tête et ma coupe déborde. Il pleut là. C'est une onction. Il est divin. Alors, il vient déjà. Il caillit. Déranger le système et ça lui, mis en place par l'ennemi. Amen, amen, le secondaire, nous, parce qu'il y a, si vous voulez, une étiquette commerciale. Vous identifiez. D'accord, il met le même sorcellerie. Vous avez dit que le père a dit c'est mon mouton. Oh, la mère est pour. Donc, quand je mets de lui, il n'est plus mouton. Il ne met tout le monde. Tu deviens un homme-point. Il a commencé aujourd'hui. Alors, cette action, nous la faisons une fois dans l'année. Dans le mois de septembre. Mais, il veut tu m'as mis. On a mis une coupe. Tout à l'heure, si vous serait aujourd'hui minuit, mettez sur vos têtes. Pendant 7 jours, c'est une affaire. Videz la bouteille. Les feuilles. Et les feuilles. Les noms des trucs, allez mettre sous la terre. Vous dites cette année. La même semaine. Avant d'entrer la nouvelle année. À cause de l'Ubi. L'année 2015. Mais ce mot, vos sorciers ne doivent pas rentrer là-bas. Ceux qui avaient la bouffée ne doivent pas rentrer là-bas. Parce qu'on enterre les familles. Les choses de votre famille. La famille de papa, maman, dans votre entourage. Vous les enterrez. Le jour, vous allez revenir. Vous allez faire un bûcher. Vous allez faire un bûcher. Vous allez faire un bûcher cette fois dans l'année. Vous allez voir. Amen. Amen. C'est ça qui caractérise le ministère des prophètes. Ça n'a rien à voir avec le fétichisme. C'est une action prophétique. Justement d'obéir. Élisée a dit à Naaman, ta guérison va plonger cette fois dans le Jourdain. Amen. Amen. Deux rois, le chapitre 5, à partir de la semaine. Mais à quelle réponse m'a dit quand il a obéi, l'action prophétique nécessite l'obéissance. On a dit à un moment donné du ministère de Jésus. Il y a lui-même la guérison. Dans Jean, le chapitre 9, il va prendre la salive, faire la boue, appliquer sur les yeux de c'est une action prophétique. Ils ont commencé à vous étiqueter. Ce qu'on doit prendre, on les prend. Vous ne pouvez pas rentrer en 2014. Vous devez rentrer en 2015. Amen. Je suis en train de préparer les polycopes. Les polycopes, vous pouvez remettre ça le vendredi. C'est maintenant que vous devez doubler d'efforts dans la prière. Il y a des moments qui sont très dangereux. Depuis la transition entre octobre et le mois qui est passé, c'est août. Septembre, les esprits sont sortis. Ils sont des esprits très dangereux. Ils ne travaillent pas une période de 4 mois. Et je ne rigue du sang. Amen. Je ne dis pas que pendant cette période-là, vous allez voir que le grand Seigneur, c'était en septembre. Allez, le grand coup d'État, c'était le 19 septembre. Vous allez voir que la première coup d'État, en décembre, les plus grands trucs, c'est le Seigneur. Donc il faut déjà commencer à attaquer les ministres. C'est vrai que c'est le monde spirituel qui fait le monde visible. Mais qu'est-ce qui a été fait sur toi pour effrayer le diable, c'est ça? Si rien n'a été fait, tu deviens la proie du diable. Et tes freins te mangent. Et tes freins te détruisent. C'est maintenant que l'année se prépare. Amen. Il ne faudrait pas que ceux qui en veulent ta vie soient graves. Soyez à cette grande veillée, mon fils. Soyez à cette grande veillée. Amen. Quoi? Quoi ça? Je vais parler.